Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission Hewar. Depuis le 25 mai dernier, date de présentation du rapport de la commission spéciale sur le modèle de développement à Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la thématique occupe la scène nationale et internationale. C'est un rapport très étoffé qui est le fruit d'un travail de plus d'une année de la Commission. Depuis, les membres font un roadshow pour expliquer et aider à la compréhension du contenu des recommandations et des priorités pour le pays à l'horizon 2035. Des fiches thématiques ont été présentées et qui fixent un petit peu les orientations stratégiques. C'est un sujet tellement profond qui demande un peu de compréhension, davantage de compréhension, notamment sur l'effectivité des recommandations de la Commission, avoir plus d'idées sur la consistance du nouveau plan de développement et bien évidemment des mécanismes de mise en œuvre. Pour discuter de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'avoir avec moi M. Mohamed Ben Moussa, économiste, universitaire, chercheur, expert, également acteur associatif à travers le mouvement d'Amir, mais surtout membre de la commission spéciale sur le nouveau modèle de développement. Si Mohamed Ben Moussa, bonjour. Bonjour Madame Bourala, merci de m'accueillir chez vous aujourd'hui. C'est un plaisir de renouveler, de discuter avec vous. Aujourd'hui, on se retrouve autour d'une thématique cruciale pour le développement du Maroc. C'est le rapport sur lequel vous avez travaillé avec 34 autres membres de la commission. 35. Pendant 35, donc tout au long d'une année, à travers des audiences, des auditions, un travail fourni, auquel vous avez contribué chacun selon son expertise, son domaine de spécialité. Aujourd'hui, c'est chose faite, le rapport est là et il fixe un cap à l'horizon 2035 avec un référentiel ou un plan stratégique de développement qui touche à tous les aspects de la vie du pays, en partant de l'économique, au politique, au social, avec également des propositions en diagonale de moralisation de la vie publique au Maroc, de développement, de croissance, d'inclusion sociale. Bien évidemment, c'est un travail très important et qui est très, très large. C'est d'ailleurs l'occasion pour nous de vous interpeller pour avoir plus d'éléments d'information sur ce rapport, sur sa mise en œuvre, les prochaines étapes qui seront données ou la suite qui sera donnée au travail de la Commission. Mais permettez-moi de prime abord de vous poser une question puisque vous êtes un économiste et un grand universitaire. Ce rapport, en termes de rupture, qu'est-ce qu'il apporte au Maroc par rapport au passé pour l'inscrire sur une dynamique de transformation de la société, notamment, je dirais, sur les choix économiques majeurs, sur la doctrine globale du pays. Est-ce qu'il y a une rupture ou bien on sera dans une meilleure continuité, on va dire, du modèle libéral? Écoutez, ce rapport est vraiment un moment crucial dans l'histoire contemporaine de notre pays et il apporte plusieurs ruptures. Mais des ruptures réfléchies, des ruptures raisonnables, des ruptures maîtrisées, et des ruptures qui recherchent le consensus le plus grand possible des Marocains. Ce ne sont pas des ruptures irresponsables, ce ne sont pas des ruptures irraisonnées, ce ne sont pas des ruptures qui peuvent conduire à une fracturation de la société marocaine. Au contraire, nous cherchons à retisser le lien social, à recréer la confiance à l'intérieur de la société marocaine, dans la relation de la société avec les institutions politiques, avec l'État. Et donc notre mot d'ordre est de provoquer à travers ce nouveau modèle de développement, d'abord un débat national, ensuite une mobilisation, après avoir pu convaincre nos concitoyens de la pertinence de nos recommandations, et surtout mettre les citoyens en ordre de marche pour mettre en œuvre le nouveau modèle de développement parce que c'est le leur et ce n'est pas le modèle de développement de telle entité ou telle autre entité. Alors, de façon plus factuelle, il y a deux grandes ruptures. Une rupture de fond et une rupture de forme. Commençons par la forme. C'est le processus d'élaboration du nouveau modèle de développement. Comme vous le savez, il est le fruit d'une démarche à la fois
globale, holistique, mais aussi et surtout d'une démarche participative. Et donc tous les Marocains ont participé à l'élaboration de ce nouveau modèle de développement. Nous avons été en interaction directe avec près de 10 000 citoyennes et citoyens marocains qui ont contribué directement à l'élaboration de ce rapport, l'élaboration de ce nouveau modèle, à la fois dans la partie diagnostic, état des lieux, évaluation, que dans la partie relative aux recommandations et aux réformes. Il y a eu une trentaine de visites de terrain. Il y a eu 70... Et ce, malgré la pandémie, hein, vous êtes, votre travail a... Nous avons changé le mode opératoire, oui. C'est-à-dire quand il y a eu la pandémie, nous avons forcément, pour sauvegarder, protéger la santé, la sécurité de nos concitoyens, nous avons arrêté les visites de terrain. Par contre, nous avons multiplié les interactions à travers les techniques de visioconférence et les réunions à distance. Donc il y a une vraie originalité dans la forme, dans la démarche, et qui tranche avec les rapports, parce que j'ai entendu une chanson lancinante nous dire quelle est la différence avec d'autres rapports. Eh bien, c'est d'abord la démarche participative, c'est une co-construction, c'est une intelligence collective des 36 millions de Marocains que nous essayons de faire éclore à travers ce rapport sur le nouveau modèle de développement. Et je vous disais, des interactions avec les citoyens, des interactions avec les représentants des forces vives de la nation, qu'il s'agisse des représentants de la démocratie participative ou de la démocratie représentative. Dans le premier cas, c'est les ONG, la société civile, les universitaires, les intellectuels. Et dans le second cas, c'est évidemment les partis politiques, les syndicats, les organisations professionnelles et autres. Deuxièmement, une rupture importante dans le fond. Pourquoi ? Parce que nous avons fait un état des lieux le plus objectif possible, marqué par une certaine audace. Et nous avons simplement respecté le cahier des charges de la plus haute autorité du pays, Sa Majesté, qui a formellement et explicitement demandé aux membres de la Commission de lui présenter un état des lieux le plus fidèle possible, quelles que soient les conséquences de cet état des lieux. D'ailleurs, on le remarque, il n'y a pas de langue de bois. Il n'y a pas de langue de bois, nous disons les choses telles qu'elles sont. Évidemment, nous le disons avec courtoisie, nous le disons avec une certaine forme. Oui, mais et vous transmettez la réalité. Et je réponds de cette manière à certains nihilistes qui considèrent que le rapport a présenté un état des lieux édulcoré de la réalité. C'est archi faux. Nous le faisons avec nos mots, nous le faisons avec notre style, nous le faisons avec la bienséance qui sied à ce type d'exercice national, institutionnel, mais nous le faisons avec clarté, transparence, exhaustivité et avec la détermination de désigner les choses telles qu'elles sont. Et donc, nous avons parlé de sujets assez complexes. Et nous avons mis en évidence, bien évidemment, les acquis de notre pays, les réalisations qui ont été faites, qui sont des succès sur lesquels notre pays peut s'enorgueillir, tous les investissements d'infrastructures, la transition démocratique et progressive de notre pays, les réalisations en matière de statut de la famille, la Moudouana, en 2004, l'instance équité et réconciliation en 2005, la transformation de notre cadre constitutionnel en 2011, les stratégies sectorielles, le positionnement du Maroc dans les chaînes de valeur industrielle mondiale, en particulier dans l'industrie automobile, dans l'industrie aéronautique, dans l'offshoring, le positionnement très avant-gardiste du Maroc dans le développement des énergies renouvelables. Tout cela, ce sont des acquis qu'il faut reconnaître et sur lesquels il faut s'appuyer pour démultiplier ces acquis et démultiplier la force de notre pays, la force de notre économie. Mais en même temps que nous disons cela, nous disons nous avons des dysfonctionnements et nous avons des failles importantes de diverses natures, à la fois institutionnelles, politiques, constitutionnelles, judiciaire, réglementaire, comportemental, des dysfonctionnements liés au fonctionnement de l'économie. Et nous pointons du doigt l'ensemble de ces dysfonctionnements de façon très claire et très transparente. Et nous parlons par exemple des problématiques de zones grises ou d'absence de clarté
dans le partage des responsabilités institutionnelles entre les pouvoirs de l'institution monarchique et les pouvoirs du pouvoir exécutif, donc du gouvernement. Nous considérons que les dispositions constitutionnelles sont claires, mais dans la pratique, il y a un déphasage. Et nous disons que le nouveau modèle de développement, s'il veut réussir, eh bien, il doit lever ces zones grises. Il faut qu'il y ait une plus grande transparence, une plus grande visibilité dans le processus de décision des grands chantiers stratégiques, une plus grande visibilité et traçabilité sur le processus décisionnel, justement pour éviter qu'il n'y ait plus de fuite devant les responsabilités et que chacun puisse assumer ses responsabilités. Et nous avons proposé un certain nombre de dispositions qui font que, eh bien, le chef de gouvernement pourra exercer la plénitude de ses responsabilités constitutionnelles et faire en sorte qu'il soit totalement redevable des décisions qui sont prises vis-à-vis des citoyens marocains. Ça donne corps à la co-responsabilité quand c'est un principe de la Constitution de reddition de comptes qui, à ce jour, ne sont pas entièrement actionnés parce que depuis des décennies, à tous les niveaux d'ailleurs, on souffre de cette dilution de responsabilité. Les Marocains n'acceptent plus, c'est une source de défiance. Mm-hmm. Et donc, si on veut regagner la confiance des citoyens, il faut qu'il y ait cette visibilité. Et ça engage le responsable à exercer ses responsabilités, mmh. à assumer les conséquences de ses décisions et finalement à se soumettre à la reddition des comptes. Et donc, parmi les instruments que nous avons proposés, pas le seul instrument, nous avons proposé, d'une part, que les décisions stratégiques et les décisions de gestion des politiques publiques soient parfaitement alignées. Autrement dit, les orientations stratégiques de long terme qui relèvent de l'autorité de Sa Majesté, de sa responsabilité constitutionnelle, et les décisions de gestion des politiques publiques qui sont une mise en œuvre des orientations stratégiques dans le temps court ou moyen, c'est-à-dire dans le temps d'une législature. Et donc on a constaté un déphasage et il faut mettre en place des instruments qui font qu'il n'y a plus de déphasage, il y a un parfait alignement. Parmi les instruments qu'on a proposés, c'est la création d'un mécanisme d'appui, de suivi, d'appui des chantiers stratégiques et de conduite du changement qui est placé sous l'autorité directe du chef de l'État. Ce n'est pas simple, ce n'est pas neutre comme proposition. Elle est de nature à apporter toute la clarté, à s'assurer de cet alignement entre les choix stratégiques et les politiques publiques de gestion des projets, des secteurs, des programmes gouvernementaux, et elle est de nature à améliorer cette efficacité, à améliorer cette transparence, à améliorer la reddition des comptes, à améliorer la clarté des processus décisionnels et des responsables des décisions vis-à-vis des Marocains, et donc à reconquérir cette confiance qui est aujourd'hui en perdition. Justement, en parlant de confiance, l'une des idées phares qui est ressortie dès que le rapport a été mis en ligne, en fait, c'est une question qui a refait surface. En fait, d'un côté, on critique un petit peu l'acteur politique, la classe politique dans laquelle le citoyen n'a pas totalement confiance, et en même temps, on défend qu'elle ait les mains libres également à travers le processus démocratique d'avoir son mot à dire sur ce rapport et sur sa mise en œuvre. C'est ce qui me pose la question de cette harmonisation ou de cette synchronisation entre un référentiel qui s'étale sur trois mandats, par exemple, et un mandat de l'exécutif et du législatif aussi. Et quel serait leur mot à dire dans le cadre de l'exercice démocratique, dans la mise en œuvre de ce plan en devenir, ce plan national pour le développement? Ça prouve bien que les Marocains sont attachés à la démocratie. Et ça prouve bien que les Marocains veulent avoir un gouvernement qui exprime ses positions librement et un gouvernement en responsabilité aux commandes des affaires de l'État et qui exerce la plénitude de ses compétences constitutionnelles. Et les Marocains ont raison d'avoir cette exigence. Mais les Marocains aussi ont voté pour une constitution à une écrasante majorité. Rappelez-vous, au-delà de 97-98%, la constitution est claire. Il y a un partage des responsabilités dans l'échelle des institutions de notre pays, au premier rang desquelles figure l'institution monarchique, qui, elle, donne le cadre, donne le cap, donne les orientations stratégiques. Elle est garante du respect des institutions constitutionnelles. Et elle est l'acteur du temps long.
les grandes stratégies qui nécessitent plusieurs années, voire quelques décennies, eh bien, c'est l'institution monarchique qui porte ces stratégies et qui porte ces réformes du temps long. Mais ces réformes, elles ont besoin d'exister, elles ont besoin d'être mises en œuvre, elles ont besoin d'être nourries, oui, j'allais dire, au quotidien. Voilà, prendre pour corps cela, à travers des lois, à travers des lois, à travers des réglementations, à travers des structures, à travers des désignations de personnes, de responsables, à travers des projets, à travers rencontres d'évaluation, à travers des corrections dans la mise en œuvre, le pilotage principes et des règles de bonne gouvernance, tout cela relève de la responsabilité du pouvoir exécutif, du gouvernement. Et donc toute l'intelligence de ce nouveau modèle de développement est d'être en capacité de faire jouer sans disharmonie, la note musicale de la Constitution marocaine. Donc c'est une synchronisation. Et ces disharmonies qui créent nos contre-performances et qui alimentent le climat de défiance. Et donc si nous voulons avoir un modèle de développement performant, et si nous voulons reconquérir la confiance de nos concitoyens, il faut que vraiment nous soyons en capacité de composer et d'interpréter une composition musicale totalement harmonieuse. Et les instruments que nous proposons dans le cadre du nouveau modèle de développement sont de nature à rechercher cette harmonie. Et donc, je vous disais, le gouvernement a la plénitude de ses responsabilités dans la conception et la mise en œuvre de programmes gouvernementaux, de programmes et de politiques publiques, de mise en œuvre des grandes orientations stratégiques. C'est la finalité du nouveau modèle de développement que de définir ces grandes orientations stratégiques. Et là, nous le faisons dans le cadre d'une démarche d'intelligence collective, dans le cadre d'une co-construction avec les citoyens et avec les forces vives de la nation et les représentants des citoyens, qu'il s'agisse des représentants dans le cadre de la démocratie représentative ou participative. Et donc, c'est la philosophie de cet exercice. Et le pacte national de développement économique est un instrument qui est proposé pour inscrire dans le marbre les grandes orientations. Alors, il est important de dire que le pacte national du développement économique n'est pas un acte sous pression. N'est pas un acte sous coercition. Justement, c'est la question qui a été souvent, qui est revenue en boucle quand on suit les gens sur les réseaux sociaux. Et on est dans l'obligation aussi de leur apporter des réponses parce que c'est des questions qui se posent. Beaucoup ont confondu entre ce référentiel et un programme électoral avec d'autres initiatives prises de par le passé. Mais il y a aussi des gens qui sont plus dans les initiatives, dans la dynamique de changement et de transformation, et qui se demandent justement quels sont les points constituants de ce plan. Plusieurs éléments de réponse. D'abord, nous avons fait en sorte, nous rédacteurs du rapport sur le nouveau modèle de développement, nous avons fait en sorte qu'il n'y ait pas de confusion auprès de nos concitoyens. Et donc, dans le rapport, nous le disons avec force, de façon explicite, qu'il s'agit d'un cadre de confiance, d'un cadre de cohérence, qu'il s'agit d'un document qui vient inscrire dans le marbre la vision stratégique à long terme, avec des principes, avec des grands chantiers stratégiques, avec des règles de bonne gouvernance, de transparence, de reddition des comptes, des valeurs également qui sont caractéristiques de notre pays, à la fois de son histoire, de sa culture, mais aussi de ses engagements internationaux. Et nous disons clairement qu'il s'agit d'un cadre de référence et qu'il ne s'agit en aucune manière d'un plan gouvernemental. Oui. Donc ça, l'avons fait. Ce n'est pas un programme, ce n'est pas un plan gouvernemental. Voilà. C'est écrit à plusieurs reprises dans le rapport et dans le cadre des interactions que le président de la commission, Cheikh Ibn Moussa, et l'ensemble des collègues qui participent à cette action d'explication et de mobilisation, nous insistons sur cette dimension. Maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure dans mon propos liminaire, c'est un projet d'un pays et c'est un projet collectif. Et il faudrait que tous ceux qui ont une responsabilité politique, institutionnelle, intellectuelle, universitaire ou morale puissent transmettre à nos concitoyens un message de vérité et qu'il n'y ait pas un travestissement des intentions de ce document.
Et donc, voilà, donc je crois que tout le monde devrait expliquer à nos concitoyens la réalité de ce qu'est le nouveau modèle de développement. Maintenant, le pacte, c'est un instrument que nous avons proposé. Pourquoi? Parce qu'une des sources de défiance des Marocains, c'est qu'ils ont l'impression que les réformes, les projets, les études restent souvent lettre morte et souvent ne sont pas suivies d'application fidèle à leurs principes et fidèle à leurs objectifs. Eh bien, c'est pour lever justement cette crainte fondée, justifiée, légitime de nos concitoyens que nous avons proposé deux instruments qui sont de nature justement à apporter ce confort et cette garantie à nos concitoyens que ce qui est prévu dans le nouveau modèle de développement sera suivi d'application de façon fidèle et exhaustive. Parce que le modèle est un tout cohérent. On ne peut pas, comme si on était dans un restaurant, choisir tel plat et écarter tel autre plat. Ça n'a pas de sens. Toutes les recommandations répondent à une philosophie générale. Elles sont imbriquées les unes des autres et il suffit d'enlever un dispositif pour contrarier et remettre en cause la cohérence générale. Donc nous avons proposé deux instruments qui sont de nature à sécuriser, rassurer nos concitoyens sur la faisabilité et sur la mise en œuvre effective des recommandations du nouveau modèle de développement. C'est le pacte national du développement qui doit évidemment être un exercice volontaire, par conviction des représentants de la nation. Il n'est pas question. Elle dépend vraiment de l'engagement moral de ces acteurs. De l'engagement moral, de l'engagement politique, de l'engagement institutionnel, des représentants de la nation qui vont s'engager, se mobiliser et adhérer au pacte national de développement de notre pays. Et ils vont s'engager à la fois vis-à-vis de Sa Majesté et vis-à-vis de la nation. Donc c'est une lourde responsabilité. Et ceux qui vont s'engager dans ce pacte, eh bien, ils devront assumer des conséquences de leur engagement. Justement. Ça, c'est le premier point. Quelle sera la sanction avant d'en venir au deuxième mécanisme? Il n'est pas question de prévoir des dispositifs. Pas forcément de sanctions telles qu'on la préconise. Je ne peux pas vous répondre à cette question. Pourquoi? Pour être très franc et très transparent, le texte du pacte n'est pas rédigé. Et il aurait été prématuré de proposer de rédiger un texte de pacte. Ça doit aujourd'hui, être également dans le cadre d'un consensus. Dans le cadre d'une construction, d'une co-construction avec ceux qui vont signer le pacte, c'est-à-dire essentiellement les partis politiques, mais aussi les représentants de la société civile et les organisations professionnelles. Ce qui est disponible aujourd'hui, c'est les principes sur lesquels doit être élaboré le pacte. Et le pacte n'a pas vocation à reprendre l'exhaustivité du contenu du nouveau modèle de développement. Ça n'a pas de sens. Il suffit de s'y référer. Mais le pacte doit quand même donner, me semble-t-il, un cap, une vision, des objectifs et des règles de bonne conduite et des éléments qui viennent nourrir le cadre de confiance et de responsabilité. C'est ça qui est essentiel. Et c'est ça qui, à mon avis, ne devrait pas éloigner un Marocain d'un autre Marocain, quel que soit son positionnement. Un Marocain, qui travaille au quotidien pour nourrir sa famille, ou un Marocain qui exerce des responsabilités très importantes au sein du gouvernement, voire au-delà du gouvernement. Et donc, voilà, je pense que l'idée, c'est que ce pacte soit d'abord l'émanation d'une volonté, avec conviction, des partis politiques, des syndicats, des organisations professionnelles, des ONG qui représentent la société civile, les ONG les plus représentatives, bien entendu. Et donc, personne ne sera obligé d'adhérer. Mais si on y adhère, on doit tenir ses engagements. Et c'est ça ce qui est important. Il faut s'engager vis-à-vis de Sa Majesté et il faut s'engager vis-à-vis de nos concitoyens. Et notre engagement va devenir eh bien, la garantie de la mise en œuvre du modèle de développement. Deuxième instrument que nous avons prévu, c'est le mécanisme dont je vous ai parlé, de suivi, d'appui des projets stratégiques, de conduite de changement, qui va être supervisé, qui va être mis sous la supervision directe du chef de l'État. Et donc, ce n'est pas neutre comme dispositif. Nous avons proposé aussi une structure qu'on a appelée Delivery Unit et qui va être placée sous l'autorité du chef du gouvernement et qui va faire en sorte, justement,
que ces dysfonctionnements et ces incohérences qu'on a pu voir dans les stratégies sectorielles qui ont été pensées et menées en silo, eh bien, disparaissent et que la coordination interministérielle puisse jouer avec une structure qui n'a pour seule fonction que de veiller à la coordination des politiques consacrée sectorielles et qui est placée sous l'autorité du chef du gouvernement. Mais évidemment, les structures ne suffisent pas. Il faut donner du souffle aux structures, il faut donner une âme aux structures, il faut donner une volonté politique, une vision, une détermination. Donc il faut avoir un chef du gouvernement avec un leadership tel qu'il fera en sorte que les disharmonies entre les différents départements ministériels cessent, parce que ces disharmonies, eh bien, elles sont mortifères pour la confiance des citoyens dans l'action politique. Aujourd'hui, vous pensez que la classe politique et économique, certes, elle a contribué à l'élaboration de ce rapport à travers ses contributions, à travers ses remarques, etc., et est en phase de s'inscrire. Est-ce qu'elles peuvent être un réel levier sur lequel cette transformation tellement souhaitée peut s'appuyer? J'aimerais vraiment, à travers votre média, inviter mes concitoyens à poser la question différemment. Je ne dirais pas est-ce que la classe politique et la classe économique est en capacité, peut accompagner la mise en œuvre du nouveau modèle de développement. Vous parlez du citoyen marocain lui-même? Non, je dirais d'abord que nous devons dire la classe politique, les opérateurs économiques, tous les représentants de la nation doivent accompagner le nouveau modèle de développement. Et qui doit les forcer à exercer leurs responsabilités? Ce sont les citoyens. Et donc, c'est pour ça que je dis que la mise en œuvre du nouveau modèle de développement est entre les mains des citoyens. Et si les citoyens veulent une garantie de mise en œuvre, une garantie d'application effective, ils doivent se mobiliser. Ils doivent exercer pleinement leurs droits et devoirs aussi. Ils doivent s'engager. Et alors s'engager, on s'engage de différentes manières. D'abord, on s'engage sur le plan politique, en s'inscrivant dans les listes électorales, en votant pour ses représentants, aux élections locales, aux élections professionnelles, aux élections législatives. La politique de la chaise vide est la pire des situations. Et donc chacun doit se prononcer en fonction de ses convictions, en fonction de ses valeurs, en fonction de sa vision de l'intérêt général, de l'intérêt du pays, et doit choisir ses représentants librement, en étant en capacitation, c'est-à-dire en ayant les arguments et en ayant les armes intellectuelles pour apprécier la pertinence de l'offre politique qui est faite et pour apprécier la pertinence des programmes de mise en œuvre du cadre général qui, lui, provient du nouveau modèle de développement et qui, lui, transcende les clivages politiques. Évidemment, dans ce processus, il faudrait que nos citoyens soient armés intellectuellement en termes d'information, en termes d'éducation, en termes de culture, pour apprécier objectivement les différentes offres politiques, évidemment en étant totalement immunisés contre deux mots, M-A-U-X, qui aujourd'hui traversent le champ politique national, qui est celui de l'utilisation de l'idéologie religieuse comme adjuvant et comme produit anabolisant de la compétition électorale. C'est un véritable mal. Ou alors l'autre mal, qui est celui de l'utilisation de l'argent et du business. C'est d'ailleurs l'une des recommandations sur le plan politique. Est-ce qu'on peut avoir une neutralité? Nos citoyens doivent être vraiment protégés contre ces deux mots pour pouvoir décider en conscience. Mais la neutralité dans l'action politique, c'est un vœu exprimé, c'est une recommandation faite par la Commission, mais est-ce réellement réalisable dans la société marocaine? On n'arrive pas sur un terrain vierge, on arrive avec une société qui a cumulé des expériences, il y a des choses qui sont ancrées. Le déclic, est-ce qu'il peut se faire facilement? Rien n'est facile. Tout est complexe, pas compliqué, mais complexe. Et tout nécessite à la fois une vision stratégique, une volonté politique et une détermination à mettre en œuvre un certain nombre de réformes. Alors justement, pour que nos concitoyens soient en capacitation de pouvoir exercer leur choix en toute liberté, nous avons dans le nouveau modèle de développement proposé toute une série de réformes liées à la valorisation du capital humain,
à la mise à niveau de notre système éducatif dès les premières classes, j'allais dire même dès le préscolaire jusqu'au monde universitaire et de la recherche. L'implémentation de nouvelles valeurs. Scientifiques, la refonte des programmes pédagogiques, la mise en valeur du statut de l'enseignant, la revalorisation du statut des enseignants, l'évaluation objective indépendante par des entités externes au lycée ou au collège ou à l'école des enseignants, la création d'un centre d'excellence du professorat, la création de passerelles entre l'université et la formation professionnelle, l'indépendance de gestion qui est donnée au président d'université avec la refonte du processus de désignation des conseils d'administration des universités, la création de passerelles et de liens entre les universités et les régions, entre les entreprises des régions, la création de liens avec des avantages fiscaux entre les laboratoires de recherche des universités et les entreprises industrielles qui ont la volonté de développer la recherche de notre pays dans tel secteur ou dans telle filière ou dans telle niche ou dans tel produit. Nous avons également fait toute une série de propositions pour revoir le cadre réglementaire législatif, pour renforcer l'indépendance de la justice, renforcer la coordination entre les trois autorités de la justice, que sont le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le ministère de la Justice et le ministère public, une mise en cohérence de notre dispositif judiciaire, une mise en cohérence de nos lois, une refonte de nos lois, les lois relatives aux libertés publiques, le code pénal, les lois relatives au droit commercial, au droit des affaires. Nous avons également constaté les dégâts que causent les phénomènes de corruption, les phénomènes de trafic d'influence, les phénomènes de conflit d'intérêts, les phénomènes de délit d'initié, les phénomènes de confusion entre des mondes totalement différents que sont le monde de business, des affaires avec le monde politique. Tout cela figure dans le rapport de la commission chargée du modèle de développement et tout cela fait l'objet à la fois d'éléments de diagnostic et de propositions de refonte du cadre législatif, du cadre réglementaire, de mise en place d'instruments de mise en œuvre et d'évaluation de nature à rattraper et à récupérer la confiance de nos concitoyens. Nous avons parlé des institutions de bonne gouvernance économique, de l'instance de lutte contre la corruption, du Conseil de la concurrence. Nous avons demandé à ce que le cadre législatif de ces instances soit revu pour renforcer leurs moyens, renforcer leur indépendance, leur crédibilité donc, revoir le mode de désignation des membres de leur conseil pour qu'elles soient totalement immunisées contre les trafics d'influence et les conflits d'intérêts. Et on a vu comment le dispositif actuel, législatif actuel, renfermait des failles et des trous qui font que ces institutions sont parfois empêchées de faire leur travail, comme on l'a vu dans le Conseil de la concurrence, qui n'a pas pu trancher encore jusqu'à la date d'aujourd'hui sur le dossier des soupçons d'entente illicite sur la formation des prix des hydrocarbures. Et vous avez vu que Sa Majesté a donné des directives au chef du gouvernement pour revoir le cadre législatif du Conseil de la concurrence. Et j'espère que le gouvernement actuel, dans le cadre de cette législature, pourra proposer un texte rapidement pour améliorer le cadre législatif du Conseil de la concurrence. Voilà, donc vous voyez bien que le nouveau modèle de développement, il a un élément fédérateur, c'est la confiance. Et la confiance, elle est basée sur un certain nombre de réformes concrètes que nous proposons et qui figurent dans les différents rapports de la commission spéciale chargée du nouveau modèle de développement. Je pense là que c'est très important parce que nous parlions tout à l'heure de la dilution des responsabilités et effectivement, sur certains sujets, il suffit de faire quelques petites corrections pour que les dossiers évoluent et progressent sainement, on va dire, et que les entraves, par exemple, à la concurrence loyale puissent lever, les freins à l'investissement puissent être levés, l'accès à la justice de manière équitable soit levé aussi, puisque c'est un chantier très important pour l'édification d'un état de droit. L'enseignement, vous l'avez rappelé de manière générale, parce que la société de savoir, c'est ce qui manque actuellement au Maroc pour être
l'une des nations savantes et intégrer le train ou prendre le train des pays en développement et les pays développés. Tous ces éléments sont en fait rattachés les unes aux autres pour, on va dire, répondre aux besoins exprimés par la Commission. Voilà. Il y a une cohérence dans ça. Avec des mécanismes de gouvernance et de suivi. Tout à fait. Un des mots d'ordre de ce nouveau modèle de développement, c'est de reconstruire un État fort et une société forte. Moi, c'est tout ce que je nous souhaite. Mais je vais vous entraîner sur votre terrain de prédilection. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'avait... Laissez-moi simplement compléter ma réponse sur l'État fort, société forte. Ce qui est important, c'est ce diptyque, c'est cette relation. Vous ne pouvez pas avoir un État fort si la société est faible. Impossible. Comme vous ne pouvez pas avoir une société faible avec un État, une société forte avec un État fort. Une société forte, ça veut dire quoi? Ça veut dire une société qui est libre, qui jouit de ses droits, mais qui a aussi des obligations et elle en est consciente. Une société qui est éduquée, une société qui est instruite, qui a un niveau élevé de culture, une société également qui est épanouie, une société qui est libérée dans l'exploitation de ses énergies, une société aussi qui gagne sa vie très confortablement, qui participe au partage des richesses créées dans le pays. Voilà ce que c'est qu'une société forte. Et un État fort, ce n'est pas un État autoritaire, contrairement à ce qui a été dit dans une volonté manifeste de déformer l'orientation du nouveau modèle de développement. Un État fort, c'est un État qui est stratège, c'est un État qui est visionnaire, c'est un État qui est juste, comme vous dites. C'est un État qui est capable de protéger les citoyens, tous les citoyens, et en particulier les plus faibles, les femmes, les jeunes, les personnes âgées, les personnes en situation d'handicap. Eh bien, l'État doit être en capacité également de mener des politiques publiques rapidement et avec efficacité et dans le respect des principes de la transparence, de la moralisation de la vie publique, de l'éthique et de l'efficience et dans une situation où on est protégé contre les tentatives de trafic d'influence, de corruption et de conflits d'intérêts. Voilà ce que c'est qu'un État fort. Et le Maroc, son ambition, c'est d'avoir à la fois un État fort et une société forte. Parfait. Alors, moi, j'aimerais quand même avoir votre avis quelque peu sur la question qui m'avait un peu interloqué, c'est sur les indicateurs cibles. Et ça, c'est un élément qui parle à la presse économique, aux gens du monde économique et même aux citoyens qui se demandent comment ces indicateurs ont été calculés et le degré de réalisation, jusqu'à quel degré, par exemple, quand on parle du PIB à l'horizon 2035, quelle a été la grille de calcul? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est réalisable à l'échelle d'une quinzaine d'années? Les indicateurs, d'abord, leur finalité est de refléter l'expression d'une ambition. Une des failles des différents programmes ou projets ou rapports que notre pays a connus est que souvent, pour ne pas dire toujours, il n'y a pas d'engagement sur des objectifs chiffrés. Nous avons voulu rompre avec cette pratique et nous avons voulu démontrer la force de conviction du nouveau modèle de développement par l'annonce d'objectifs chiffrés pour que les citoyens puissent mesurer le moment venu, le sérieux, la crédibilité du nouveau modèle de développement par rapport à ces objectifs chiffrés. Deuxièmement, nous avons, dans le cadre du rapport général du nouveau modèle de développement, sélectionné une quinzaine d'indicateurs qui nous semblent très importants. Je ne vais pas vous parler de tous les indicateurs, mais je vais vous prendre deux, trois exemples sur les 15. Par exemple, la richesse nationale créée dans notre pays. Et nous estimons que nous devons, en 15 années, doubler notre richesse nationale, en passant d'un PIB per capita, c'est-à-dire par citoyen, en parité de pouvoir d'achat, d'à peu près 8 000 $ à 16 000 $. Et nous pensons évidemment que cela est réalisable si nous atteignons le taux de croissance souhaité de 6% annuellement, sans aucune discontinuité. Autre indicateur qui exprime une volonté forte portée par le nouveau modèle de développement, c'est le taux de participation des femmes dans l'économie, qui aujourd'hui est extrêmement faible, autour de 20%, entre 19 et 22%, et nous souhaitons le porter à 45%. Il n'y aura pas de développement économique du Maroc, je le dis fortement,
devant vos auditeurs et devant vos lecteurs. Il n'y aura pas de développement du Maroc sans une participation puissante des femmes. Parce qu'on ne peut pas avoir 80% des femmes en dehors du processus de création de richesses. Et le nouveau modèle propose toute une série de mesures pour libérer les énergies des femmes, pour garantir leurs droits et pour les protéger contre des situations de vulnérabilité. Autre exemple, et ce sera le dernier exemple que je vous indiquerai, eh bien, c'est par exemple l'utilisation des énergies renouvelables par rapport à l'ensemble du mix énergétique national. Aujourd'hui, nous sommes à peu près autour de 11%. Eh bien, nous souhaitons qu'en 2035, eh bien, les énergies renouvelables représentent 40% de notre consommation d'énergie. Donc, je pourrais démultiplier ces exemples. Et comment nous les avons déterminés? Eh bien, nous les avons déterminés d'abord par rapport avec, évidemment, les experts, les équipes de la Commission, avec les échanges avec les différents experts avec lesquels nous avons discuté, qu'ils relèvent du secteur public, des départements ministériels ou du secteur privé, des associations professionnelles, des fédérations professionnelles, avec également des experts externes, marocains, étrangers, par rapport également à des éléments de benchmark dans des pays émergents qui sont comparables aux nôtres. Et c'est sur la base de l'ensemble de ces interactions que nous avons fixé ces objectifs. Alors, vous avez des objectifs encore plus détaillés dans le rapport sur les notes thématiques. Par exemple, si vous allez voir un peu notre vision du développement du secteur privé, nous pensons que le rôle de l'État est important, fondamental dans le développement de l'économie, et nous avons décliné toutes les missions de l'État, l'État stratège, l'État régulateur, l'État protecteur, l'État investisseur-développeur, et on a décliné toute une série de réformes à mener pour faire en sorte que l'État soit plus performant, plus en phase avec les attentes des citoyens. Mais en même temps que nous disons cela, nous disons que la croissance économique sera portée essentiellement par le secteur privé. Et là aussi, nous sommes venus avec toute une série de propositions qui sont de nature à libérer les énergies du secteur privé, à déconstruire l'économie de la rente, à supprimer les barrières administratives, à garantir l'égalité des chances des entreprises et en particulier des TPME dans l'accès à la commande publique, dans l'accès au crédit bancaire, dans l'accès au marché financier. Nous avons également proposé toute une série de mesures pour faire en sorte que les grands groupes industriels marocains, les grands groupes financiers marocains portent l'économie, puissent essaimer des PME, puissent créer des alliances avec leurs sous-traitants, etc., etc. Et donc, voilà, donc tout cela est de nature, évidemment, à nous permettre d'atteindre cet objectif de croissance, l'État intervenant également avec un certain nombre de politiques publiques pour assurer une meilleure répartition de ces richesses créées et réaliser une politique de redistribution équitable et performante. Et donc, je disais que dans les rapports thématiques, vous avez aussi toute une série... Vous ne pensez pas que vous avez, on va dire, placé la barre assez haut parce que les projections sont ce qu'elles sont. Et puis, en cours de route, il se peut que dans l'action publique interviennent des éléments. Le cas, par exemple, de la pandémie de la Covid, personne ne l'aurait anticipé avec comme les Américains ou les Britanniques ou les Japonais, voilà, ou les Sud-Coréens. Est-ce qu'il y a une marge d'erreur ou bien vous ne pensez pas que vous avez vraiment placé la barre assez haut pour... nous avons donné un cap. C'est projections réalisables. Absolument, c'est un cap sur le long terme, et pendant ce long terme, les imprévus peuvent arriver. D'ailleurs, on peut tout de suite vous dire, je pense que tout le monde s'accorde à dire que la pandémie de la Covid-19, ce n'est pas une affaire finie. D'abord, elle va durer encore et on va être exposé à d'autres risques pandémiques. C'est pour ça que dans le cadre du nouveau modèle de développement, nous avons fait des recommandations pour que les politiques publiques aient une dimension de prévention, de renforcement de l'autonomie marocaine du Maroc dans le domaine économique, dans le domaine industriel, dans le domaine agricole, agroalimentaire, dans le domaine sanitaire, en prévision de la survenance d'éventuelles pandémies. Est-ce que c'est réaliste? Ça l'est complètement. L'enjeu est de quoi? C'est quoi? C'est d'atteindre sans discontinuité 6% de croissance annuelle. Dans l'histoire de notre pays, on constate qu'en moyenne,
Dans la décennie 2000, on était en moyenne autour de 3,5, 4. Et dans la décennie 2010, on était en moyenne autour de 2,5, 3. L'objectif, c'est d'atteindre 6. Nous avons eu des années à 5%. Donc, si nous mettons en œuvre le nouveau modèle de développement, si nous mettons en œuvre toutes les réformes, et pas simplement les réformes économiques, mais les réformes liées au capital humain, les réformes liées à l'inclusion sociale et à la protection sociale, les réformes liées au développement des territoires. Déclencher l'action de manière massive, hein, en même temps. Tout à fait. Évidemment, ce n'est pas des demi-mesures. Le nouveau modèle de développement est une véritable révolution. Une révolution réfléchie. Une révolution maîtrisée. Mais c'est une révolution. Une révolution en faveur de la consolidation d'un État fort et d'une société forte. Et les moyens. Et au service des Marocains. Je vais revenir. Ne vous inquiétez pas sur le financement. Et donc, il est important de déclencher tout ce qui figure dans le nouveau modèle. On ne peut pas choisir à la carte, comme je vous le disais tout à l'heure. Et la croissance économique n'est pas simplement un sujet économique. C'est un sujet qui est en lien avec les autres dimensions du développement, le capital humain, l'inclusion, les territoires, l'environnement, l'écologie. Et nous sommes convaincus que nous arriverons à ces objectifs si, bien évidemment, nous mettons en œuvre, dans les bonnes conditions, ce nouveau modèle de développement. Et là est une autre affaire, parce que la mise en œuvre, nous intervenons, comme vous le savez, dans le cadre constitutionnel. La mise en œuvre, c'est la responsabilité du gouvernement et du Parlement avec les deux chambres. Et là, évidemment, il y a un certain nombre de préalables sur lesquels nous souhaitons que nos partenaires des partis politiques puissent s'engager. D'où la nécessité d'avoir le pacte national de développement économique. Donc, sur les objectifs, c'est tout à fait réaliste, réalisable, pour peu qu'on mette en œuvre les dispositions du nouveau modèle de développement. Alors, pour le financement. Le financement, eh bien, ce modèle va coûter à peu près, durant les 5 premières années, à peu près 4% de PIB. C'est l'estimation que nous avons faite, donc autour de 45 milliards de dirhams annuellement. Et à terme, en régime de croisière, le coût budgétaire et financier de ce nouveau modèle de développement sera de l'ordre de 10% du PIB, ce qui nous met au-dessus de 100 milliards de dirhams annuellement, 110-120 milliards. D'où on va trouver cet argent? Eh bien, on va le trouver au niveau de 6 sources. Là aussi, je voudrais corriger les mensonges qui sont véhiculés par certains. Certains ont dit que ce nouveau modèle de développement ne donne pas le moindre dirham, ne donne aucune indication sur le moindre dirham nécessaire pour le financer. C'est faux. Le nouveau modèle de développement, nos recommandations donnent 6 sources. La première source, c'est d'abord la dynamique vertueuse de la croissance économique. Si nous atteignons les 6% de croissance économique, nous créons des richesses et nous créons des ressources budgétaires pour l'État à travers les recettes fiscales. Donc mécaniquement, eh bien, c'est un mécanisme, c'est un processus vertueux qui s'auto-entretient et qui génère des ressources. La deuxième ressource, c'est la réforme fiscale. Là aussi, il faut corriger des contre-vérités. Il y a des propositions extrêmement ambitieuses de réforme fiscale dans le rapport de la commission spéciale du modèle de développement. Parmi les mesures structurantes de la réforme fiscale, nous prévoyons un certain nombre de dispositions de nature à élargir l'assiette fiscale. Nous prévoyons d'augmenter les seuils d'imposition à l'IS et à l'IR. Nous proposons également de supprimer les systèmes de retenue à la source à taux libératoire. Nous proposons d'augmenter le premier seuil d'imposition à l'IR pour soulager la charge fiscale sur les bas revenus, de revoir les tranches d'imposition à l'IR et d'augmenter le taux marginal pour qu'il y ait une plus grande progressivité, une plus grande solidarité. Nous proposons également d'instituer un impôt de solidarité sur la fortune non productive qui ne participe pas à la création de richesses économiques. Nous proposons également d'instituer une sorte de TVA sociale. Nous proposons de limiter dans le temps les dépenses fiscales. Nous proposons de conditionner le maintien des dépenses fiscales, des avantages fiscaux, des niches fiscales, à une évaluation exempte et ex post de l'impact économique et social des dépenses fiscales. Nous proposons également de plafonner l'exonération des plus-values dans le cas de donations entre membres d'une même famille, tout en maintenant l'exonération pour les petits patrimoines.
Nous proposons également d'évoluer progressivement vers une justice fiscale territoriale. Autrement dit, les territoires, et en particulier les régions du sud du Maroc, qui ont des avantages fiscaux que d'autres régions n'ont pas. Nous considérons que nous avons atteint un certain stade de maturité qui fait qu'il faudrait maintenant converger vers un système fiscal unique et donc progressivement supprimer les exonérations fiscales en matière de TVA, d'IS et d'IR. Nous proposons également de réduire et d'aménager le taux de l'IS en fonction des secteurs d'activité économique. Les secteurs qui sont protégés où il y a des situations confortables doivent pouvoir supporter un taux d'IS relativement élevé. En revanche, les secteurs qui sont exposés à la concurrence internationale ou qui interviennent dans la recherche-développement ou qui interviennent dans le développement du capital humain, du développement social, doivent être encouragés par des taux d'IS plus légers. Nous proposons également de revoir la gouvernance du cadre législatif fiscal en simplifiant le code général des impôts, en publiant la jurisprudence de la Commission nationale du recours fiscal et en faisant en sorte que les lois fiscales soient plus simples et en faisant en sorte également de donner plus de moyens, plus de compétences aussi aux commissions des finances des deux chambres du Parlement pour pouvoir voter des lois plus simples et plus accessibles pour les contribuables. Nous proposons également de d'activer la Commission nationale des infractions fiscales pour lutter efficacement contre l'évasion et la fraude fiscale. Et nous proposons également de responsabiliser les conseils fiscaux qui participent à des actes de fraude lorsqu'il y a la matérialité de leur complicité dans les actes de fraude. Vous voyez bien qu'il y a des éléments de réforme fiscale extrêmement puissants, extrêmement importants, qui figurent dans le rapport de la commission spéciale sur le modèle voilà, développement. Pourvu qu'ils soient formulés rapidement En texte de loi, je dirais, qui passerait rapidement par le pouvoir législatif. Où est-ce qu'ils vont être formulés? Dans une loi de finances. Voilà, parce que quand vous dites justement, ce sont des mesures très importantes et depuis tout à l'heure que elles vous sont révolutionnaires. Voilà, le déclic doit être immédiat quasiment à dans la loi niveau, de finances. Voilà. Mais qui est responsable de l'élaboration et du vote de la loi de finances? C'est le gouvernement, le vote c'est le Parlement. Voilà, la commission spéciale du modèle développement n'a pas vocation à substituer aux représentants de la nation qui relèvent de la démocratie représentative, gouvernement et Parlement. Donc voyez bien que nous sommes dans une intelligence collective. Nous devons parler le même langage et il faut que maintenant le nouveau modèle, qui est la propriété des Marocains, eh bien que ce soit les Marocains qui imposent au gouvernement et au Parlement de mettre en œuvre ces dispositions. Je vous ai donné deux sources de financement. Je vous avais dit qu'il y en avait six. La troisième source, c'est la rationalisation de la dépense publique. Il y a des arbitrages à faire, il y a des recherches d'efficacité à trouver dans la dépense publique, avec notamment une revue générale des dépenses publiques. Troisième source, c'est la modernisation du portefeuille public, qui aujourd'hui détruit de la valeur. Sur 10 ans, le portefeuille public a consommé à peu près 210 milliards de dirhams dans le budget général de l'État. Ce qui n'est pas normal. Autant il est normal que les entreprises publiques à caractère non marchand puissent consommer de la dépense budgétaire, de la ressource budgétaire, parce qu'ils ont une mission d'intérêt général, autant il n'est pas normal que les établissements et entreprises publiques à caractère marchand, qui sont dans le secteur concurrentiel, aient besoin de subventions, de taxes fiscales rétrocédées. Cette situation est anormale. Vous avez vu que Sa Majesté a pris la décision de lancer le projet de création d'une agence de gestion des participations stratégiques de l'État. Ce projet, comme d'autres mesures qui figurent dans le rapport de la Commission, est de nature à revoir ce déséquilibre financier qui existe aujourd'hui et à faire en sorte que le portefeuille public puisse être plutôt créateur de ressources financières pour l'État. Cinquième source de financement, c'est la réforme des marchés financiers. Aujourd'hui, l'État se finance à travers les bons du Trésor émis par adjudication et dont le premier porteur, c'est le secteur bancaire. C'est une anomalie. Ça crée un effet d'éviction pour le financement des entreprises et des TPME. L'objectif, c'est de faire en sorte que demain, le marché financier soit un acteur plus déterminant dans le financement de l'économie à travers les titres de dette et qu'il s'agisse de titres de dette publique, donc les bons du Trésor ou demain des emprunts cotés, ou les titres de dette privés à travers les émissions de sociétés. Ce qui est un débat déjà en cours avec
Banque le Maghrib, avec tous les l'AMMC et tous les intervenants sur le marché de capitaux. Je pense que les débats existent depuis de nombreuses années, oui. Mais les résultats mais maintenant, c'est sont en constitution de commission, des réunions avec le ministre des Finances. Il y a cette prise de conscience, mais maintenant il faut passer à l'étape de la concrétisation parce que oui, le besoin donnons, ça va. Et nous donnons des objectifs, nous donnons un cap et nous disons que le financement de l'économie et en particulier du trésor public ne doit plus être orienté principalement sur le secteur bancaire parce que ça crée un effet d'éviction. Et donc le marché financier sera une source de financement du nouveau modèle de développement. Et dernière source, ce sont les partenariats internationaux qui doivent être mobilisés pour lever des fonds. Ça peut être des fonds en dette comme ça peut être des fonds en investissement direct ou des subventions pour pouvoir financer le nouveau modèle de développement. Vous avez vu que beaucoup de pays s'intéressent au nouveau modèle de développement de notre pays. Et vous savez que quand un pays se réforme, quand un pays se met en ordre de marche, quand un pays met en œuvre des réformes structurelles qui sont de nature à créer une dynamique de croissance, de développement et à créer de la richesse, eh bien, croyez-moi, toutes les organisations internationales, Banque mondiale, Fonds monétaire international, Club de Paris, Banque africaine de développement, le marché financier international, tout le monde a une appétence forte à accompagner ce pays et à lui proposer des financements parce qu'il sait que ce pays est en train de se réformer et c'est ce que j'espère pour mon pays. Voilà, c'est ce que nous souhaitons également au terme de notre entretien. J'espère qu'à travers cette explication, oui. Je vous ai convaincu et vous, à travers vous, vos auditeurs, oui. Que le modèle de développement, il est largement financé et finançable. Avant de vous laisser partir, j'aimerais quand même avoir une réponse sur la prochaine étape. Normalement, la CSMD est une commission consultative, donc en principe, votre travail est terminé avec le rapport, mais vous continuez, tous les membres, à faire un travail de vulgarisation et d'explication de compréhension. Aujourd'hui, quelle sera la prochaine étape la plus immédiate ? Le travail n'est pas fini parce que vous voyez bien qu'il y a un énorme... besoin d'informations, d'explications, de mobilisation de nos citoyens. Et vous avez vu également que parfois, il y a des tentations à travestir la réalité. Donc nous sommes là pour rétablir les choses et pour donner le vrai message, le message de la transparence, de la clarté, de la responsabilité à nos concitoyens. Notre travail, s'inscrit dans ce cadre-là. Et nous intervenons dans le cadre des orientations qui ont été communiquées à travers le communiqué du cabinet royal, qui montre bien que la Commission aujourd'hui a un travail donc d'échange, d'explication. Il y a des réunions régulières, des échanges avec les médias pour pouvoir porter les messages vrais à nos concitoyens. Il y a des échanges également avec les représentants de la nation, les partis politiques, les syndicats, les organisations professionnelles, les ONG. Il y aura également des visites de terrain auprès des citoyens pour expliquer le modèle et donner les vraies informations qui leur le donner concernent. Comment vous avez donc ça, formulé... Ce travail est en train d'être déployé, d'être mis en œuvre. Il va prendre quelques semaines et je pense que la mission de la Commission sera terminée. Et il appartiendra ensuite, évidemment, aux représentants de la nation s'ils adhèrent au pacte national du développement, ce que j'espère du fond du cœur, parce que c'est l'intérêt de mon pays, de commencer. Et à partir de là, ce sont les mécanismes qui reprennent mécanismes le relais. Les mécanismes constitutionnels, avec les mécanismes qui sont prévus dans le nouveau modèle, à savoir le pacte national du développement, et le mécanisme de suivi, d'appui, qui sera mis sous l'autorité de Sa Majesté et le Roi. De conduite du changement qui sera effectivement sous la supervision directe de Sa Majesté le Roi. Donc voilà, moi je voudrais vraiment dire à mes concitoyens que le développement est un continuum, c'est un processus. C'est un processus qui ne se fait pas avec des ruptures brutales, ça se fait avec une évolution progressive, avec des politiques réformatrices permanente. Le nouveau modèle de développement est un instant important de l'histoire contemporaine de notre pays. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est une étape. Saisissons cette étape pour faire en sorte que notre pays soit meilleur. Et les seuls qui soient en capacité de garantir la mise en œuvre de ce nouveau modèle de développement,
ce sont les Marocains eux-mêmes. Et ils le méritent amplement, on va dire. Et évidemment, c'est un devoir pour tous ceux qui ont une responsabilité publique de proposer le meilleur à leurs concitoyens. Nos concitoyens, c'est des gens responsables, c'est des gens qui vivent dans des situations difficiles parfois, c'est des gens qui souffrent, c'est des gens qui aspirent à être des citoyens responsables, à participer à l'épanouissement de leur pays, au développement de leur pays, qui exigent de pouvoir jouir de l'intégralité, de l'exhaustivité de leurs droits tels qu'ils sont stipulés par la Constitution, et ils ont raison de l'exiger, mais ils sont également conscients qu'ils ont des obligations, comme l'État a vis-à-vis des citoyens, des droits et des obligations. Le nouveau modèle de développement est de nature justement à trouver cet équilibre judicieux, cet équilibre rationnel, mais également cet équilibre exigeant entre une société forte et un État fort. Parfait. C'est Mohamed Ben Moussa, je vous remercie vivement de votre disponibilité, de votre patience pour répondre à toutes ces questions qui se posent dans la société et le débat actuel dans la société marocaine, un débat que nous espérons salutaire et qui opérera un déclic pour opérer cette transformation que nous souhaitons pour notre pays. Je vous rappelle que vous êtes universitaire chercheur, vous êtes économiste, vous avez une longue carrière économique et financière, vous êtes également acteur associatif à travers le mouvement d'Amer, mais aussi vous êtes membre de la commission spéciale sur le modèle de développement. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci de votre invitation. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.